Salut les golfeurs, aujourd'hui, développement de l'équilibre avec de la coordination, de la mobilité, de la dissociation et du gainage. Il vous faut un coussin d'équilibre, un ballon et une gourde. Allez, chaussez vos baskets, c'est parti! Premier exercice en unipodale sur le coussin, l'autre jambe au niveau de la hanche. Allez, c'est parti, on tient entre 10 et 15 secondes. Petite variante, on prend le ballon et on le fait tourner autour de la jambe qui est pliée, dans un sens, puis dans l'autre. Deuxième petite variante, toujours avec le ballon, on le fait tourner dans un sens, puis dans l'autre, autour du tronc, en tenant toujours entre 10 et 15 secondes. Allez, on continue. Dernière variante, les bras au-dessus de la tête et on fait passer le ballon d'un bras à l'autre. Toujours 10 à 15 secondes. Premier exercice en unipodale pour travailler la mobilité de la hanche. On vient toucher les gourdes devant, derrière et sur les côtés. Attention, on est bien gainé. Allez, on va toucher toutes les gourdes. Petite variante, on vient toucher la gourde de devant avec le bras et la jambe en opposition, la gourde de derrière. Puis on se redresse et on vient toucher les gourdes sur les côtés. Attention, restez bien gainé et il faudra le faire avec les deux bras et les deux jambes toujours. Petite variante à nouveau, on va faire passer la jambe rapidement au-dessus de toutes les gourdes. Allez, on tient en équilibre, on est bien gainé. Dernier exercice, allez, encore un peu de courage. Ouverture et fermeture de hanches avec rotation du corps. Attention, exécutez ça tout doucement, le but étant de rester bien en équilibre. Troisième exercice, le pied arrière est sur un milieu instable, donc sur le coussin. Attention à bien aligner le genou au-dessus de la cheville pour la jambe avant et on vient tourner donc en opposition en lançant le ballon contre le mur 10 fois. Petite variante, mais difficulté augmentée, le coussin est sous le pied avant. Attention à bien aligner encore le genou au-dessus de la cheville et la jambe au niveau de la hanche. Le buste est bien droit. On tourne en opposition pour lancer le ballon contre le mur 10 fois et bien sûr pour chaque jambe. Allez, dernier exercice, encore un peu de courage. On va lancer le ballon contre le mur avec le bras en opposition. Jambe gauche sur le ballon, bras droit qui lance contre le mur tout doucement pour le premier exercice. 10 fois. Petite augmentation de la difficulté où on va demander une plus grande amplitude de l'épaule. On vient chercher le ballon derrière pour le lancer un peu plus fort, un peu plus haut, vers l'avant. Bien sûr, cet exercice est à réaliser avec les deux jambes et les deux bras. Des exercices simples, mais une séance difficile pour des appuis solides, des impacts plus réguliers et un swing plus puissant. Allez, à vous de jouer!